L'affaire de Brenda Biya à la légère. Vous prenez ça à la légère, c'est pas une histoire d'un tchèlet. C'est pas une histoire d'un tchèlet au premier degré. C'est une histoire plus compliquée que ça. J'étais sous l'emprise d'une personne machiavélique, une personne manipulatrice, narcissique, qui voulait me détruire, moi et ma famille, et qui m'a manipulé de A à Z, du début jusqu'à la fin. Brenda Biya pour la dépénalisation de l'homosexualité. Dans une interview accordée au journal français, Le Parisien, la fille du président de la République, au cœur d'une polémique, confesse par ailleurs son orientation sexuelle. Par son coming out, la fille du président de la République souhaite que son histoire fasse changer la loi. Or au Cameroun, pays que dirige son père et comme dans 26 autres nations africaines, l'homosexualité est illégale, passible de 5 ans de prison. Lire l'intégralité de l'article sur magazine Page Jaune du Cameroun en cliquant sur le lien en dessous.